Bonjour, Amanda. Connor, contente de te voir. Je comptais sur toi pour appréhender le déviant qui a tué cet homme. Je dois t'avouer que je suis un peu déçue. Je suis désolé. Je sais que j'aurais dû réussir. Peu importe. Je suis sûre que tu auras plus de discernement à l'avenir. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Je pense qu'il est irritable. Et plutôt misanthrope. Mais je pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Poursuis ton enquête et mets un terme à tout ça. Fais vite, Connor. On manque de temps. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. C'est le bureau qui est là. Avec un truc. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Et si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Appelez Hank Anderson. Bonjour, ici Hank. Voilà pour le moment. Vous pouvez me laisser un message si ça vous excite. Je vous rappellerai pas de toute façon. Bip. Voilà. Lieutenant Anderson, ici Connor.
L'androïde envoyé par CyberLife. Il est presque midi. Je vous attends au poste de police. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank ! Dans mon bureau ! Tous les jours, je reçois 10 nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de CyberLife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en Android, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. CyberLife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique ! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix ! Tu es lieutenant de police ! Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule ! Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule, hein ? Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman ! Putain de merde ! Cette discussion est terminée ! Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Très bien alors. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne journée à vous, commandant. Le labo pense qu'ils les ont coupés avec un truc.
Je suis... Peut-être qu'il prépare... Désolé de vous avoir importuné au bar hier, lieutenant. J'ai dû vous gâcher la soirée. Il nous faut vraiment un avis. Ok. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sumo. Il s'appelle Sumo. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler, mais j'aimerais bien. Je me demandais, arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci, lieutenant? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes, ok? Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. ...243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit, et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je comprends que vous ayez des problèmes personnels, lieutenant. Mais vous devez les mettre de côté, et... Hé, me parle pas comme si tu me connaissais. Je suis pas ton copain, et j'ai pas besoin de tes conseils, ok? Il nous faut vraiment un avis de l'expert. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe.
Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar, alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Tu dois mourir de faim. Tu devrais prendre un bain et après on sortira pour trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, je vais te faire couler un bain. T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Ton bain est prêt. Merci, Michael. Je suis en compagnie de Todd Williams, un résident de Corktown qui a été brutalement attaqué par son AX-400 hier soir à 23h. Todd, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? J'étais en train de dîner tranquillement dans mon coin. Cette saleté a bondi sur moi. J'ai réussi à me défendre, mais elle a pété un câble. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Alors je l'ai repoussée, mais elle s'est enfuie. Merci, Todd. Un peu partout, les propriétaires d'Android s'inquiètent. La police s'est lancée à la recherche de l'unité suspecte, pourvu qu'ils la retrouvent vite. C'est pas vrai! Il leur ment! C'est lui qui voulait nous faire du mal!
Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Est-ce que tu as de la famille? Quelqu'un qui pourrait nous aider? Non. Il y avait que papa. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. On ne peut pas changer le passé, Alice. Mais on peut décider de notre avenir. On va s'en sortir. Et bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. Lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose? Un androïde? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci? Merde, je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner... Elle est encore là? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Attends dans la caisse. Je crois qu'il vaut mieux que je vienne avec vous. Écoute, tes leçons de morale, j'en ai ma claque. T'es une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux qu'elle se termine, ta mission? Alors arrête de me casser les burnes. Elle est partie.
Ça va aller ? D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté CyberLife pour en savoir plus, mais... Thank you.
chose.
Bienvenue à Jéricho. Ouais, ton dernier tuyau de gueudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Moi. Ok, j'accepte. C'est cool. Eh, hey, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, waouh. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, Cheb. Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein? Et voilà. Merci, Gary. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois? Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça? Ouais. Et vous avez parié? Ouais. Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories et 2 fois celui en cholestérol. Vous ne devriez pas manger ça. On doit tous mourir de quelque chose, non? Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence, ainsi que ma voix, ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette.
J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus ? Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, en cas de besoin. T'as les batteries à plat ou quoi ? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour CyberLife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Hein ? Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi. D'accord. Mais c'est quoi ce bordel ? Ah, c'est bon, ouais. Ça pue ici. Ah, on s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. Un peu d'air frais. T'as trouvé un truc ? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable.
Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Écrit exactement 2471 fois. Pourquoi est-il obsédé par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Seul débile à garder ses vieilleries. Ah, tout le monde est passé au livre numérique. Plus d'odeur de papier. Et fini les pages qui jaunissent. T'as aucune idée de quoi je parle, toi. À sa vermine. Ah, ah, saloperie de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le!
C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Hé, Connor. Non, rien.